Lancement de la VOD. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pas de jeu, pas de présentation de vidéo de jeu. Non, non, on va faire trois petits jeux indépendants. Et le premier, évidemment, c'est un petit jeu. Alors, c'est des jeux qui coûtent pas très cher. Je crois qu'ils sont tous payants, mais qu'il n'y en a aucun qui coûte plus de 3 euros, je crois, il me semble. Et donc, on va faire des petits jeux. Voilà, hein. Donc, je sais pas s'ils vont être bien, ces jeux. Ça se trouve, ils vont être nuls. Oh là là, oh là là. Là j'ai mon retour qui bug pour moi parce que je viens de lancer un jeu qui je pense va se lancer en full screen. Parce qu'évidemment il faut rentrer dans les configs etc. Donc voilà. Du coup trois petits jeux. Et le premier jeu de ce soir. Alors qu'est-ce qu'il veut? Ça nous rend l'argent. Bah ouais ouais non mais moi non. Clairement pas. Vous savez bien que tout l'argent a été rendu. Il y a encore des gens qui font la blague rend l'argent. Vous savez, quand je croise en événement des gens qui me connaissent depuis longtemps, genre 4-5 ans, ils continuent de me dire rend l'argent avec un grand sourire. Et je suis là, ah ouais, c'est trop marrant et tout. Je sais pas quand est-ce que les gens vont arrêter de faire cette blague nulle. Enfin bon, bref, on s'en fout. Donc, je parle pas des gens, je parle pas des viewers. Hein. Oh mon dieu. C'est une catastrophe. Pourquoi d'un coup ça fait ça alors que ça le faisait pas tout à l'heure? Maintenant, parce que j'ai pas semaine, il y a pas dans un compte, je vais marquer sur. Ah merci, ingénieur IRC. J'ai vu. Ingénieur IRC. Merci à toi. Donc, on va jouer à Héron. Héri, Héron, petit patapon. Comme disait la chanson, bien évidemment. Donc, on y va. Ah, il est pas dans mon, dans ma barre des tâches en bas. Mais il est là. Ah, il est là. Donc, ça doit se jouer à la manette, ça, voyons voir. Alors je ne sais pas du tout ce que sont ces jeux, alors, je les ai pris complètement au hasard de manière arbitraire. Merci à Insane62 pour son abonnement sur le streaming. Alors évidemment là j'ai pas streamé depuis longtemps, il va y avoir beaucoup de donations et beaucoup d'abos. Il y en a qui vont passer en mode ouais c'est toujours pareil, tout insupportable. Alors left shift, non mais moi je joue à la manette du coup. Bon left shift, on va jouer au clavier tant pis. Left shift. Et si on appuie plus sur left shift, ça repasse comme ça. J'avance. Ah oui, ça a l'air indé ça. Ah oui, oui, ça c'est indépendant. Hein. Ça c'est indépendant, vous inquiétez pas. Ah, parce qu'il y a les. Vous avez vu, il y a le générique qui passe. Alors, right shift ça marche pas, on est d'accord. Ah, ça ne marche pas du tout. Ah ouais. Peut-être, je pense que je vais baisser le son. Il y a un mec qui arrive sur le chat, il a mis ça a l'air nul. Toujours des mecs comme ça qui arrivent. 3 secondes de jeu. Ah ouais, c'est nul. En tout cas, c'est hyper dynamique. Pour l'instant, le jeu me demande de faire ça. Moi, je fais ça. Le mec est rapide. Non, mais c'est normal. C'est la présentation du jeu. Regardez. La police, c'est Espen, Morten, Kvalem qui l'a réalisé. Ah, on va aller sauter dans le vide là-bas. Ah non, on va y voir. On va voir donc le tuto du jeu. Le tuto du jeu. Zoom Zerator. Ah, bah non, le jeu est comme ça. Moi, je le fais comme ça. Ah, par contre si c'est un jeu, on va peut-être inverser parce que si c'est un jeu de type il se passe des trucs à gauche, enfin à droite quand j'avance, on va peut-être faire ça. Ah voilà. Left control ou X. Space. Raté. Attendez mais en fait je voulais prendre la manette. Est-ce que... Bon on va plutôt avancer comme ça. Ah ça c'est le sprint, d'accord. Right trigger. Ok, formidable. Donc le A, ah ça change les contrôles, c'est bien. Là qu'est-ce qu'il faut faire? Ah il faut changer de phase, mais comment on change de phase? Ah comme ça. Ok c'est un jeu où il faut changer de phase. Ah d'accord. Un petit peu comme un petit peu comme Sleep, puisqu'on l'a vu en best-of récemment. Donc il va falloir changer de phase avec la manette, avec les gâchettes. Ok, intéressant. Alors hop. 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 Donc il y a des plateformes qui sont... Oh merde. Ah ouais, des plateformes qui changent de phase et d'autres non, punaise. On va essayer de changer de phase en l'air. Alors par contre, ça risque d'être une catastrophe. Parce que moi, vous savez que les jeux de plateforme, hein, je mets beaucoup de temps sur des niveaux un peu nuls. Saute. Donc c'est vrai que... Des fois, en plus là, il faut coordonner des actions avec ses doigts et tout. Ça risque d'être une catastrophe. Oh merci Warhol, merci beaucoup. Signé le vieux donateur de shot. Et oui car hier j'ai eu une donation en direct. Je l'ai pas prise d'ailleurs mais merci à toi Warhol, merci beaucoup pour ça. Mais en fait hier c'est bon, j'ai passé le premier niveau, regardez. Hier il y a un mec qui est arrivé au meltdown, il m'a filé un papier, dessus il y avait écrit, bah ça devait être lui du coup, il y avait écrit Warhol vous a fait une donation et il y avait écrit en dessous un shot et il m'a dit tiens voilà un shot. C'était plutôt marrant.
C'est plutôt marrant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah, faut descendre. Ah, on peut... il y a des dégâts de chute. Très bien. Enfin, des dégâts de chute symbolisés par la mort et non pas par des points de vie perdus. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Des téléporteurs. Ouh là là. C'est pas un jeu pour moi, ça va être beaucoup trop difficile. Alors du coup, on voit pas du tout le nom du jeu, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'imagine qu'on meurt si on fait ça. Hop. Oh là là, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'imagine que ça doit faire mal. Donc on va éviter de... Hein. Voilà. Ah. Ah, donc il faut faire ça. Oh là là, punaise, c'est compliqué ça. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Je le fonce dessus ou pas? Ça revient au début. Intéressant. Intéressant. On parlait combien de temps avant qu'il pète un câble avec le Switch? Non mais ça va. Voilà. Attendez, attendez. Hop. Hop. Là. Alors que faut-il faire? Voyons voir. Disponible sur Steam ce jeu. Bien sûr. Non. Ah non, je voulais pas. Ah non. Parce que du coup vous n'avez pas de repos. Il faut telle une voiture dans les embouteillages. Vous devez avoir le pied sur l'embrayage quasiment tout le temps. Voilà, voilà ma symbolique de ce jeu, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir de le voir. Y aurait-il un bouton que je ne connais pas? D'ailleurs, ça fait quoi si jamais on réactive pendant ça? Ah! D'accord, donc si on fait ça, ça la détruit. Incroyable! Sauf que du coup... Du coup, pas du tout. Ah, ça a détruit celle d'après. Intéressant. Pour une fois, j'ai compris un truc tout seul. Ça, c'est quand même génial. Il y a un mec qui a quand même un mec qui a dit va à gauche au spawn. T'es genre, bon, allez, c'est par là. C'est bien, on vous fait pas la chute. Donc, il faut détruire les... Voilà. Ça va faire quoi? Là, je peux de toute évidence pas passer. Donc, il y a autre chose à faire. Quelque chose que nous... Merde, merde. Oh, on peut plus. Ah, on peut plus se diriger quand on est en l'air. Ah, si on fait ça et qu'on s'arrête en plein milieu du saut. Intéressant, intéressant. J'essaie de sauter le plus tard possible, parce qu'à mon avis, c'est juste ça. Ah, il faut débloquer quand on est au milieu. Bon. Il a compris par pur chat. Bah non, j'ai tenté de désactiver d'un coup. Ah, mais là, il y a un téléporteur. C'est rare que je comprenne les mécaniques d'un coup d'un jeu vidéo. En fait, j'essaie de sauter le plus tard possible, ce qui fait qu'on dirait que j'oublie de sauter, mais en fait, pas du tout. À moins que je puisse ressauter. Ouais, je pense que ça peut me faire ressauter, un truc comme ça. Ah, d'accord! Ah, on peut faire ça, ok. Donc, parfois, il ne faudra pas les détruire. Car c'est en fait un... Oh non, zut! Ok, très bien! La Kanaki te salue. Choui! Daran des villes. Merci à toi pour ta donation. Oh punaise. Voilà. Téléporteur. Voilà. Donc là il faut la détruire. Oh merde. Putain. J'ai re-switché. Essaie de monter sur le machin rouge. Et oui mais le délai. Le délai a eu raison de vous. Évidemment. Alors go. Oh là mon dieu. Ah, très bien. Hop. Voilà. Là maintenant, hein, c'est compliqué parce qu'il faut... Hop. Voilà. Là, ça détruit donc celle-là. Non. Ah, mais là, je suis coincé. Ah, mais là, ça va me ramener au début. Enfin, voilà. Là, j'avoue que je sais pas trop ce qu'il fallait faire. Il fallait peut-être détruire celle-là, peut-être. À mon avis, c'était ça. C'était peut-être ça qu'il fallait faire. Change la couleur du nom du jeu, on le voit pas. Ah ouais, vous voulez que je fasse ça? Voilà. Là on le voit mieux, c'est vrai, vous avez raison. C'est sûrement comme ça qu'il fallait faire. Oh non. Oh putain, n'importe quoi. Ah bah non, c'était pas comme ça. Ou alors fallait désactiver deux trucs. Il faut tout détruire. Prends les téléporteurs. Ah, effectivement, vous avez raison. Moi je suis dans le poulet. Ah, et bienvenue à toi, nouvel abonné, Aelis. Bienvenue à toi, Aelis, sur l'abonnement de la Zerator Télévision.
Voilà, là il faut prendre les téléporteurs. Oui mais non parce qu'on peut pas le prendre à l'envers. J'ai bien compris qu'il y avait un téléporteur là-bas mais... Bon de toute façon là je peux pas passer. Parce que là il y a un téléporteur on est d'accord mais il est relié à quoi? C'est ça qu'il faut trouver. Parce que je ne peux pas passer cet endroit sans me servir de la plateforme de saut comme ça. Ça veut dire qu'il faut absolument que je revienne à cet endroit là. Mais pour revenir à cet endroit là... Sûrement comme ça. Bah non, ça vous emmène quand même là-bas. Ouah. Ouah. Et nous sommes coincés. Ah merde, putain. Alors là, je suis en sprint, hein, faut savoir. Parce que là, en fait, on peut marcher tout doucement comme ça. Ou sprinter. Juste le fait de les détruire va créer un double jump possible. Quand on détruit une, double jump. Alors ça, non. Tu détruis le premier drone et tu prends le TP à gauche. Mais bordel, pourquoi je peux plus... C'est une blague, là? Mais là, il n'y a pas de téléporteur, en fait. Faut que vous compreniez que ça s'active seulement si... Non, c'est évidemment fait pour qu'on ne puisse pas. Pour qu'on ne puisse pas. Hop. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai détruit. Quel imbécile. Par réflexe. Attendez, j'y vais. Va-t-on être bloqué au deuxième niveau? C'est ce que nous allons voir. Pourquoi tu ne détruis pas le premier obstacle? Parce qu'il me sert à passer. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Oh, merde. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Activez le premier et prends le TP derrière toi. Écoutez, ce n'est pas le cas, d'accord? Détruis la première, puis sprint, saut pour atteindre la seconde. En fait, je sprint constamment, en fait, je suis en sprint. Le sprint saut ne suffit pas. Je vous explique. Jump quand elle est en train de se détruire. Ce n'est pas possible. Merde. Enfin, en fait, en gros, je ne peux pas la détruire quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, faut que j'aille au milieu, faut que je réactive ici quand je suis au milieu pour la détruire. Ce qui fait que je suis forcément en course et que si je ne monte pas dessus, c'est pas possible. Mais de toute façon, il y a un téléporteur donc il faut forcément revenir. Faut juste que je trouve. Merde, j'ai sauté trop tard. J'ai sauté trop tard. Quand tu casses le premier, faut le faire en sautant puis ressauter. C'est pas possible ça, les amis. Ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! J'essaie de ressauter, mais ça ne marche pas du tout. Il faut acheter le DLC L du destin. Non mais attendez, je vais arrêter d'écouter les gens. Et je vais essayer de trouver moi-même. Hop. Bon là, de toute évidence, hein, on a ça, très bien. Peut-être que si on repasse après avoir détruit ça, ce sera un autre téléporteur qui va s'activer, je ne sais pas. Là, on ne peut pas le reprendre, de toute évidence. À moins qu'il y ait une autre touche dont on ne soit pas au courant. Saute au milieu, faut être rapide. Quoi? Au milieu? Ça va pas? Ouais. Bon, de toute façon, là, je peux plus. Il n'est pas activé. Comment faire? Active le premier et prends le TP derrière toi. Alors non, regardez. Si je détruis ça, ça ne s'active pas ici. Hein. Faut arrêter de croire les trucs. Et là, après, je n'ai plus aucun moyen de passer. Là, même si je saute très tard... Monter sur l'autre obstacle pour passer au-dessus du truc rouge. Téléporteur d'entrée semble avoir un petit rond bleu qui montre qu'il est activé. Non, mais c'est... De toute évidence, quand ils sont activés, ils mettent un rond bleu, quelque chose comme ça. Bouge les épaules, bordel. C'est vrai! Au lieu de détruire la dernière sphère, essaie de sauter sur la sphère pour passer au-dessus du truc rouge. Pourquoi pas? Ah merde. Ça me paraît être une solution viable, par exemple. Enfin, une solution possible, contrairement à tout ce que vous dites. Ah, attendez, j'essaye. Mais oh, n'importe quoi, j'ai réactivé, quel imbécile. J'ai réactivé, attendez, calmez-vous. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent trouver les solutions. Oh merde. Ah oui, mais c'est vrai qu'on peut pas se diriger en l'air, ce qui fait que si on s'arrête en l'air, on est foutu. Bon là j'ai oublié de ressauter, c'est pas très grave. Hop là. Voilà. C'est quoi, c'est le sabre de Dark Maul là qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Hop! Voilà. Là, ça me paraît. Je sais pas si ça va réussir à passer au-dessus. Hein. Je suis dans le pain. J'aimerais qu'on ait eu du pain. Nice, Captain Gears. Faudra que tu me fasses du pain pour test. Allez! J'aimerais bien monter dessus! Celle-là, on peut pas monter? Non, mais c'est pas possible. Elle est à la même hauteur que l'autre, enfin, je crois.
On peut pas l'avoir. Dommage. Le TP c'est juste pour arriver. Merde. Moi je pense qu'il faudrait réussir à détruire ça et à passer. Mais le problème c'est que ce serait contraire au jeu. Parce que là en gros on nous apprend une nouvelle mécanique de gameplay. On nous apprend que on peut sauter sur cet élément. Moi ce que... Mais putain c'est pas vrai. Non mais putain. Ah et là ça a fait la glissade avant. Putain mais c'est infâme. Infâme. Ce que je comprends du niveau, c'est qu'on vous dit maintenant vous pouvez sauter sur des obstacles, même des trucs rouges qui ont l'air méchants. Donc ça ok. Le niveau est thématisé là-dessus. Donc il serait assez logique qu'on doive se servir de ça pour sauter encore une fois. Il serait logique. Après, je sais pas que c'est ça. Hein. Ouais. J'essaie de monter là-dessus mais je n'y arrive pas. Tu as tout essayé Zerator. Essaye de détruire que la dernière pour voir si le TP juste avant soit activé. Non mais en fait le TP du niveau au début c'est fait pour arriver. Comme quelqu'un l'a signalé au début, il y a des TP d'arrivée à chaque niveau, je crois. Du coup, ça m'étonnerait. On constate que la boule noire monte et descend. Donc il faut que tu montes dessus. Quand il est en train de descendre, tu t'accroches à les pixels pour monter quoi? Pitié libère-moi ton lave-vaisselle. Comment ça ton lave-vaisselle libère-moi? Il va très bien mon lave-vaisselle, qu'est-ce qui se passe? Ah! On peut faire ça ou pas? Ou on meurt? Ah on meurt pas! Intéressant. Mais en fait on aura jamais... Même si on arrive à monter sur la boule là-bas. Moi je suis dans le poulet. Ah. Au niveau du poulet, c'est... Merci à toi Karmanitou de ton abonnement. Peut-être monter le son. Ou baisser celui-là. Ou baisser celui-là. Et monter celui-là. Voilà. Désactive le premier. Quand tu sautes dedans, tu auras une petite impulsion qui te permettra d'arriver à la plateforme. Ça m'a l'air d'être... en effet... Ah. Parce que là, vous voyez, même si je fais ça, je n'y arrive pas. Mais il faudrait effectivement réussir à... Ça me donne pas du tout une impulsion. Hein. Zerator, je viens de regarder la bande-annonce du jeu. Dedans, il monte le niveau. Pour passer cet obstacle, tu dois partir du sol et activer la boule qui te donne l'impulsion pour passer. Il est monster, menteur. Totalement menteur. Regardez. Je tente de ressauter une fois que ça... À moins qu'il faille faire un truc. Genre rester dedans comme ça ou... ça ne marche pas. Tu dois faire exploser en phase montante de ton saut. Franchement les gars... Ah là j'ai raté. Si c'est ça, la manip est vraiment chaude quoi. Ah ! Raté, raté ! Je pense que si mais après le trait rouge. Alors en fait non, on peut exploser la... cette boule que si on réactive pendant le rond qui est au milieu. Du coup... Tu dois exploser en phase montante de ton saut. Non mais ça j'ai compris, pas besoin de l'écrire un milliard de fois. On n'y arrivera pas alors ! Tu l'actives quand tu redescends, essaye l'inverse. Non, je l'active en phase montante. De toute façon, on peut pas faire grand chose de plus, parce que là, on est coincé. Oh merde. À moins qu'il faille faire un truc genre comme ça. Ah ! Il y a quelqu'un qui arrive sur stream qui dit « Détruis les deux dernières !» Pas du tout. Ah ! Bah écoute, moi je sais pas saucisse au pire. Au clavier c'est peut-être plus facile. Bah non. Ah non mais attendez. Y'a pas un milliard de trucs possibles de toute façon. Raté. Raté. On peut pas ressauter, c'est juste l'impulsion qui te fait passer la plateforme. Moi ça marche pas. Hein. Peut-être que le jeu bug chez moi. Peut-être qu'il faut pas sprinter. Ah d'accord. Ah oui, si on sprinte pas, forcément... La taille des sauts est un petit peu réduite, hein. Ah oui. On va sprinter, hein. Faut que tu exploses le premier et que tu ressautes au milieu de l'explosion pour atterrir sur la plateforme. Non, ce n'est pas ça, ok. Ah voilà. Oh ça, ça l'a fait, et je sais pas comment j'ai fait. J'ai fait exactement la même manip que tout à l'heure. Oh putain,
Je fais les mêmes manipulations et ça le fait maintenant. Ah là ça va pas marcher. Et là ça le fait pas. C'est fou. Mais attendez, non mais... C'est vachement dur. Parce que même quand j'y suis un peu arrivé, j'avais pas assez d'impulsion. Ah. Et là ça l'a fait. Et... Ah non, pas assez. Pas assez, ok. Ah là j'ai raté. C'est vachement dur, vachement dur. Alors là ça va parce que c'est au tout début du niveau et on recommence à chaque fois. Mais quand tu auras pas de checkpoint et ça arrivera 15 fois, vous voyez là ça va pas marcher par exemple. C'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors bienvenue sur l'Independence Day hein. On est sur un très bon jeu actuellement. On essaye, on est extrêmement content. Ah. Raté. Encore une fois raté. On recommence. Tu as trouvé. Non j'ai pas trouvé. Il y a des moments où ça marche un peu. Ouais, c'est un peu le jeu de la frustration. Beaucoup de sauts sont à poil de cul. Tu le fais en descendant la plupart du temps. Mais arrêtez avec ça. Oh. Ah bah non. Dommage. Oh, encore raté. Je le fais un petit peu tôt quoi. C'est ça. Mais après ça ne l'active pas. Oh, j'ai failli réussir. J'aurais dû bouger les épaules. Ah voilà, j'ai bougé les épaules, ça s'est beaucoup mieux passé. Alors maintenant il faut réussir la suite. Parce qu'en fait il faut désactiver donc chaque boule, bien sûr. Oh putain, j'ai failli rater ça. Voilà, hop. Hop, là. Hop, et là ça désactive ça. Bon ça va, je suis content, je me suis pas gouré. Mais il y a une suite, parce qu'attendez c'est pas fini hein. Là on est qu'au début du niveau. Ah non, c'est la fin. Bon, ah, ok, bon, fin du niveau. Alors il faut apparemment toutes les désactiver à chaque fois du coup. Oh putain, ça demande une concentration de porc. Ah ben voilà, d'ailleurs j'ai raté. alors là franchement, un niveau qui va demander de la concentration, hein. Hop. Oh, ça va être compliqué ce jeu, je sens. Oh putain. Ah merde, fallait sauter sur la première. Raté, j'ai tout raté. Et oui, parce qu'il fallait faire sur l'autre. Et hop, j'ai raté. Blablabla. On recommence. Je n'ai pas regardé, évidemment, il faut pas... Faut regarder. Raté. J'ai voulu le faire trop vite. Dommage. On continue. Oh là là, Faker, vous avez vu? J'ai raté un obstacle. Voilà. Hop. Là. Ah oui, mais non, faut quand même sauter dessus. Ah non, putain. Ah oui, non, mais ça va être dur, ça. Comment on va faire, ça? Quelle idée. Oh là, ça va être chaud, ça. Oh là. Oh, j'ai raté. Ah bah là, c'est foutu. On se casse. Ah ouais, on a pas droit à l'erreur, hein. c'est vachement difficile. Hein. Bon, voyons voir. Et là, monter sur ça, là. Ah, mais ça va être vachement dur. Comment je vais faire? Ça va être chaud. T'as essayé de rester appuyé sur la touche de chaud en dessous en changeant de phase. Ouais, j'ai tout essayé. Oh là là, c'était fou ce que j'ai fait. Alors en fait ça nous fait ralentir, du coup on peut tout faire d'un coup, regardez. Hop. Regardez, pas du tout. Ah non mais j'ai encore oublié d'activer. Mais ça c'est vraiment pour emmerder les gens ça. C'est... Ah, attendez. Tac, tac. Ah faut utiliser l'impulsion de la première pour désactiver la deuxième. Ah ouais, oh, mais ça je pourrais pas le faire ça. Oh là là, ça c'était fou ce que j'ai fait là. Ah ouais, faut faire ça, vous avez raison. Hop. Ça va être chaud. Hop, hop, hop. Oh là là, putain. Ah ouais, faut faire ça. Et ouais, mais non, pas assez. Encore une fois, pas assez. Pas assez d'impulsion. Ah non, raté. Bon, ça me... Enfin, si j'arrive à prendre le rythme, ça ira assez vite. Mais si je le fais de manière safe, c'est quand même beaucoup mieux. Quoique. Alors là... J'ai compris, hein, il faut... Voilà. Ah, oh, je pouvais pas réactiver. Ça marchait pas. Bon, en tout cas, c'est sûrement comme ça qu'il faut faire. Pas trop d'autres choix. Merde. Voilà. Ok, bon, là, j'ai fait le malin, je me casse. Il faut pas en avoir une... Faut pas en rater une seule. Ce n'est que le début. Beaucoup trop dur pour Zera, ce jeu. Mais non, mais c'est comme d'habitude. Vous entrez dans un jeu, vous êtes débutant. C'est des jeux qui sont faits pour recommencer plein de fois. Hein. Donc c'est logique.
Bon là j'ai raté. Donc on recommence. Hop. Après, en fait, en vrai, c'est pas des jeux trop durs pour moi. C'est des jeux trop durs pour vous. Parce que vous me regardez. Parce que moi je m'en fous de refaire 50 fois la même action. Moi je m'en fous complètement. C'est vous que ça énerve. C'est vous qui êtes en mode non mais là Zerator, c'est pas un jeu pour toi. Écoute, bon ça l'a pris. Écoute, voilà, Zerator, c'est pas possible. Je pense que là il faut changer de jeu. Tu l'as bien compris, etc. Mais moi ça va. En vrai, moi ça va. Alors, hop. Et non, toujours pas assez d'impulsion, c'est dommage. Mais en fait, c'est assez. Bon, c'est pas random, j'imagine, le truc de l'impulsion, mais j'ai pas encore bien compris quand est-ce qu'il fallait le timer. Ah! Non, pas assez, encore une fois. Il y en a eu une petite, hein, mais on n'est pas sur la big impulsion de porc qu'on a eu tout à l'heure. Hop, hop, hop. Ah, il y a quelqu'un qui a dit change de jeu, il faut le bannir. Hein. Attention, les modérateurs, là, on avait dit, ceux qui disent change de jeu, on les banne. Ah non, ça suffit pas encore. Ah mais là, j'ai peut-être été bloqué par la... Il faut que je le refasse, Hop, hop, hop. Hop là. Hop. Ah, je suis pas allé assez haut. Pas allé assez haut, dommage. On y va. Moi, j'aime bien la musique. Hop. Raté. Mais là, on est coincé. Après, est-ce que c'est difficile ici? Y'a quoi d'autre? Lui qui speedrun ce jeu est un putain d'alien. Oh, tu sais, y'a des jeux bien pires qui se font speedrunner, mais merci à toi, Fraison, pour Ton Dong. L'impulsion maximale se produit lorsque tu fais exploser la boule pile au milieu. Ah ouais? On dirait pas, hein. Franchement, en ça, on dirait pas. Oh, pas mal! Pas mal du tout! Alors. Voilà, hop, hop, et ben voilà, c'est fait. Alors qu'est-ce que c'est que ce niveau? Ah, changement de musique, changement de thème. J'arrive dans l'usine. Ah, raté, trop court. ça se voyait. Hop là, faut bien sauter au dernier moment. Wouh, wouh. J'ai pas vu qu'il avait fait la musique, mais elle est cool, je trouve. Hop là. Oh. 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 C'est quoi mon personnage? C'est Trash Mexicain, en fait, c'est ça? Excusez-moi, je sais pas ce qu'il m'a pris. Alors, là, y'a quoi? Y'a juste un petit truc là. Ok. Oh, zut. Ah oui, et vu qu'on peut pas se diriger en l'air. Ah si, on peut. On pouvait pas tout à l'heure. Ça recommence. Raté. Oh non, j'ai raté. C'est pas grave. On recommence. Oh non, j'ai raté. Trop tôt. Moi, je suis dans le poulet. Merci au nouvel abonné qui est Sid Morand vient de s'abonner. Bienvenue à toi Sid Morand et merci de ton abo. Merci à toi Sid Morand, ça fait plaisir. Alors, concentration. Voilà. Non, j'ai... Ça l'a pris. Ah. Oh non, j'ai oublié de sauter. Hein. Bon alors, attendez. Hop. Voilà. C'est bien, on peut revenir. Ça, c'est... Ça a l'air d'être assez rare dans ce jeu. Notons-le, faisons-le. Faisons-le. Ah. Ah. Voilà. Là. Oh, j'ai sauté trop tôt. Trop tard, pardon. Mais c'est bien, on a pour une fois réussi à passer ce truc. Hop. Hop. Bien, incroyable. J'ai marathon le vendredi, excellente. Ça me permet de rester jusqu'au bout. Ah. Les gens qui sont en mode merci Zera pour le marathon vendredi. Bah j'ai écouté ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit non mais Zera, les marathons le mardi, le mercredi, mais tu es malade. J'en étais très énervé, du coup j'ai changé d'avis là-dessus. Ouais. Ouais, excellent. Ah, ça va faire quoi? Alors là ça va être compliqué. Ah, j'ai raté. Bah on a perdu. Alors attendez, qu'est-ce qu'il fallait faire exactement? Il fallait sauter dessus ou alors? Parce que vu qu'on peut pas air control, je peux pas le faire en descendant. Mais c'est pas grave. Là, comme je dis toujours, c'était pas grave de mourir pour la première fois dans un obstacle. Et ce qui est grave, c'est de mourir 200 fois sur un obstacle.
Surtout dans ce genre de jeu qui sont faits exprès pour bien sûr mettre vos nerfs à l'épreuve, votre concentration. Oh, j'ai oublié de sauter, zut. Hop là. Oh. Ah, bah j'ai oublié de réactiver, tiens. Quand vous faites le truc à l'envers, c'est sûr, ça chamboule toutes vos habitudes. Faut sauter avant, ça suffit. Ça suffit. Ah, regardez, alors. Il y a quelqu'un sur le chat qui vient d'écrire « Zera, je sais pas si tu as vu mon tweet, mais j'ai 4 clés bêta HOTS que Blizzard m'a donné. Elles me servent à rien, donc si tu veux, je peux les faire gagner. » Alors, petit message pour vous tous. Tout le monde a une clé bêta HOTS. Blizzard a envoyé 5 clés à tout le monde ce week-end. Tout le monde a une clé. Si vous n'avez pas de clé HOTS, c'est que soit vous n'avez vraiment pas d'amis qui jouent à aucun jeu Blizzard, soit que vous n'avez fait aucun effort pour en avoir. Donc, merci de ne plus m'envoyer vos clés HOTS, que ce soit par mail ou par tweet. Personne n'en veut, tout le monde en a une. Et si un jour vous voyez un streamer qui fait « Eh, sur mon stream, on fait gagner des clés bêta HOTS », c'est un mec qui voilà. Et tout le monde en a, ok? C'est bon. Donc voilà. Petit message à l'attention de la population. Tout le monde a bien sûr une clé de ce jeu, hein. Donc calmez-vous. Oh, j'ai réussi. Incroyable. C'est cool. À peine la deuxième fois. Par contre là faut sauter bien tard. Et du coup c'était à la portée des erreurs. Bon alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça bouge maintenant. Mais est-ce qu'il faut quand même les détruire? Voyons voir. Je teste. Voilà, je teste. Donc ça vous tue. Donc faut... Est-ce que si on les déphase, on peut les exploser? Je fais plusieurs essais, ok? Ah non, ok, donc faut juste pas les toucher, très bien. Oh! 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 On peut pas sauter par-dessus, très bien. Donc faut juste une question de timing. Hop, c'est bien fait pour que si on sprint. Est-ce qu'on peut se baisser? Ah, on peut se baisser? Ah, mais ça fait rien, d'accord. On apprend les nouvelles mécaniques de gameplay, ok? Du calme. Du coup, il faut attendre. Et il faut y aller après, c'est ça? Pas du tout. Ah mais comment on fait là? Ah mais faut la déphaser, je suis bête. Imbécile. Modérateur, imbécile. Ah mais il va falloir sauter quand même parce qu'elle est... D'accord, la plateforme aussi est phasée. Ah! Ok! Alors là, bon. Pff, ça commence à devenir assez chaud quand même. Ok, alors attendez. Là, hop, voilà. On va essayer de pas déphaser quand c'est pas la peine. Ouais, si quand même. Ça se déphase, ça, ouais. Ah! Oh! C'est vachement dur, hein. Honnêtement. Là, ça se déphase. Ah, ça se déphase pas, cool. Ah, fallait une impulsion. Eh oui, fallait une impulsion, quel dommage. Ah, ça, c'est... Oh là là, putain. Oh, ce niveau... Je pense que ce niveau va avoir raison de moi, parce que là, tout à la fin, il faut une impulsion. Et là, j'avoue que... Je sais pas si c'est à ma portée, vraiment, ce genre de niveau. Hop là. Hop là. Oh, comment j'enchaîne. Hop là. Hop. Oh là là, comment j'ai enchaîné, quoi. Hop. Oh, oh dommage, ça aurait été ouf. Vous avez vu cette truc de ouf. Alors il y a Gardial qui fait genre, il compte combien de fois je meurs pour voir si j'arrive 200 fois à la mort. Attention, j'ai dit mourir 200 fois sur le même obstacle, pas au même niveau. C'est-à-dire par exemple si je meurs une fois là, ça fait une fois. Mais si je meurs une fois ici, ça fait une fois aussi. Quand je vous dis mourir 200 fois sur le même obstacle, c'est au même, vraiment au même endroit. C'est ça que je disais qui est rageant dans un jeu, c'est quand vous ratez toujours exactement au même endroit. Ce qui m'est arrivé tout à l'heure au premier niveau, mais enfin au deuxième niveau, mais j'avais pas trop compris ce qui se passait, du coup, oh zut, raté. La pub, oui bah la pub, bah du calme. Une seconde. Hop là, c'est bien parce que si on respecte bien le rythme, il y a moyen que, enfin il y a tout le niveau qui se... Oh raté, catastrophe. Ah, raté encore. Il a niqué le speedrun, ouais c'est vrai. Hop là. Go. Voilà, hop, on appuie, hop. Hop, là on est sur la bonne phase, du coup pas besoin de recommencer. Hop, oh là là, machin, et là il faut faire impulsion. Ça va être chaud. Bon, je vais essayer. Hop, et voilà. Pas mal du tout. Franchement, j'arrive beaucoup plus loin que prévu, quoi. Ah, bon, je crois que j'ai compris le truc de l'impulsion. En fait, il faut le faire quand la tête de votre mec arrive dans le truc rouge. Du coup, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Alors là, du coup, ça fait rien si je la touche. Ah ouais, c'est bien ça. Du coup, là, je peux y aller. Hop, je rephase. Oh putain, là, c'est chaud parce qu'il faut toutes les activer, je vous rappelle. Hein. Ah, donc là, il faut... Ah ouais, non, c'est méga chaud, là. Oh là, c'est méga chaud. Là, c'est méga chaud. Oh là là. Non, là, c'est méga chaud, là. Bon, le truc de l'impulsion, je crois que j'ai capté. En tout cas, c'est cool.
Ouais, faut vraiment le faire quand la tête du Mexicain arrive là-bas. Oh mon dieu. Oh hop. Voilà. Oh ah. C'est bon. Alors là, il faut une impulsion. Non. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Bon. Eh ben écoutez, voilà pour la petite présentation de ce jeu, petit test de... Donc Héron, petit jeu indépendant, je crois qu'il coûte 2€, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus, mais voilà, il coûte pas plus en tout cas, pas plus de 3-4€ à mon avis. Oh, trop tôt. Ah non, c'est bon. Déjà un portail. Ah non, c'est un... Ouh. Donc si vous voulez tester, c'est sur Steam. Steam. Voilà, incroyable. Ah, je suis on fire là. Voilà. Oh. Attends, je suis on fire. Tant que je gagne, je joue, hein. Comme disait Coluche. Ah. C'est bon. Trop facile ce jeu. Nouvel environnement. Ça fait quoi ça? Ah, je croyais que genre l'air allait me porter. En fait, pas du tout. Ah, parce qu'il faut le phaser. Ah ouais. Incroyable. Très bon, très bon. Alors du coup, comment ça se passe? Faut juste que je saute. Genre comme ça. Ah ouais. Et là, hop. Hop. Ah ouais, d'accord. Hop, 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 hop. Oh ouais, d'accord. Donc nouvelle mécanique de gameplay. Ok, avec le vent qui vous pousse. Hop là. Allez, voilà. Et hop. Ah. Ok, très bien. Donc faut attendre un peu. Ah. Voilà, hop. Bon bref. Voilà qui arrive donc sur la fin de ce jeu. Donc Héron, Eri Héron, petit patapon. N'hésitez pas à aller voir sur Steam, évidemment. Musique agréable en plus. Je trouve pas mal. Franchement, je trouve pas mal. Ça vaudrait peut-être le coup de réessayer si jamais en stream libre on a le temps. Bref, en tout cas, voilà. Héron, vous pouvez l'acheter. Et c'est formidable. Allez, petite pause. On se voit dans 5 minutes. A tout de suite. Ne bougez pas. C'est bien, on est allé assez loin quand même. C'est fou. Je suis chaud aujourd'hui.